Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 36e épisode, et comme promis, je reprends pile poil au même endroit. Bon, vous avez compris que c'est Tommy le gars. On l'a reconnu. Et ça me fait penser à la phase. La phase dans le restaurant avec David. En fait, j'ai eu un moment de doute. Je me suis dit, est-ce que c'est des bruits de pas ou est-ce que c'est lui que j'entends marcher? Oui, ça veut dire la même chose. Attends, je vais la refaire. Est-ce que c'est des bruits de pas ou est-ce que c'est la musique qui fait ce bruit-là, en gros? Est-ce qu'on peut le cramer au lance-flamme, t'imagines? Truc un peu abusé. On va prendre ça, parce que c'est là que j'ai le plus de balles. Je sais pas trop quoi faire. Il s'est enfui. Mais sauf que moi j'ai pas envie de pourchasser Tommy en fait. Le mec c'est un de mes persos préférés, tu sais, j'ai pas envie de lui coller une bastos entre les deux yeux. On peut pas sauter ça. D'accord. Genre la barrière elle cède sous le poids de deux personnes, c'est vraiment pas sécuritaire ce truc hein. Ou alors la bille est beaucoup trop puissante. J'avoue je sais pas trop. Ah on va sur l'île. Mais c'est la Space Needle ou je rêve? Par où? Suis-moi. Ils sont où? Y a pas de garde? Non, ils ne viennent pas de ce côté-ci de l'île. Regarde, c'est le bateau de l'Ève. Oh, il faut qu'on le rattrape. En tout cas, vraiment très stylé cette phase avec Tommy. Oui, chez nous. Notre mère se trouve là-bas. Est-ce que c'est loin? De l'autre côté de l'île. Merde. Et si on se fait repérer? On va éviter les grosses routes. Personne ne nous verra. Elle est bien leur île, hein. Mais en vrai, je vois pourquoi ils appelaient ça l'île. Ils vont attaquer cette nuit. Ouais, c'est un ami qui me l'a dit. Ils vont profiter de l'orage pour passer inaperçus. À moins qu'Isaac change d'avis. Votre chef, Isaac, qu'est-ce qu'il veut? Mettre fin à la guerre. Oui, mais à quel prix? Au point où on en est? À n'importe quel prix. Ouais. T'imagines si au final... Ouais. Tu vas réussir à monter? C'est le plus rapide. Si au final elle nous trahit, elle a tous les plans. Allez, on y va tout doucement. En tout cas, j'espère que vous, ça va. Moi je suis bien là, je suis bien. Écoutez, bientôt mon anniversaire au moment où je recorde. Au moment où je recorde, on est le 29 juillet. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que m'a réservé le monde pour ma prochaine année. Je fais le plein de matos, juste au cas où. Ah oui, effectivement. Même une petite pièce de l'IDAO, là, ça fait bien plaisir.
On peut rien crafter. Là, on a que un stimulant. Donc, c'est assez chaud. Plus loin, on ne doit pas avoir grand chose, j'imagine. J'imagine, ouais. Ouais. Ah, je peux pas courir. C'est bon à savoir. Oh merde. Est-ce que tu le connais? Juste de vue. Je suis désolée. Pour tes amis. C'est comme ça. Ah ouais. En même temps, les mecs, ils sont venus sur l'île. Je pense pas qu'en étant Wolf, tu puisses leur faire le coup du genre « Je suis avec vous maintenant ». Pourquoi est-ce que tu nous aides? Lev m'a posé la même question. C'est juste que vous méritez pas ça. Et puis, je sens que j'en ai besoin. Je dois le faire, c'est tout. Ah non, ok, c'est ça l'île. Wow, c'est votre village? Non, ça, c'est Haven. Le nôtre est plus loin dans les terres. Ne traîne pas. Tu pourrais te repérer. Ah ouais, ils sont beaucoup aussi. Hein. Ah ouais. Moi, je m'attendais à une petite communauté, tu sais. Petite communauté de l'anneau, tu connais? Non. Les mecs, ils ont vraiment tout le mètre carré de l'île. C'est quoi, ça? C'est notre signal d'alerte. Les wolves sont là. Toute l'île est en alerte maintenant. Il faut qu'on se dépêche. Tu fais chier, Isaac. Bah, en vrai, c'est plutôt Lev. C'est par le camp des bûcherons. Suis-moi. Combien de personnes vivent ici? Un millier environ. Et combien de soldats? La moitié d'entre nous a été entraînée au combat. Et que fera l'autre moitié quand les wolves vont débarquer? Certains iront se cacher. Mais les autres vont se battre. Ok, y'a rien ici. C'est bon, j'arrive. Elle vient même me chercher une fois que je fouille un peu. Je préfère ce genre de décor. Un peu plus... ça fait village gaulois quand même. C'est bon. Ouais, moi je suis du genre à crafter des trucs à découvert. Oh! Oh, ça c'est beau ça. Par contre, je viens d'améliorer mon arme de mêlée, donc peut-être éviter. C'est très étrange ce genre de décor. On dirait vraiment qu'on est revenu dans le passé pour le coup. Enfin, dans le passé. Disons qu'on est revenu. Comment dire ça? Comment formuler ça? Entre guillemets, à l'essentiel quoi. Bon, même si là ils ont des ciseaux, de l'alcool, des stimulants et tout. Ça fait un peu camp de vacances. Mais pas trop. Y a personne ici. Ils sont allés se battre. Bah tant mieux pour nous du coup. Alors, fais voir. Marcus. Ok. Pas grand chose à dire là-dessus, là. On va recharger. Bah, je sais pas quoi penser de cet endroit en vrai. Comme je dis souvent, si l'histoire avait été formulée autrement, j'aurais bien aimé découvrir les séraphites depuis l'autre côté. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais... Puisse sa lumière nous guider dans la tempête. Quand tu es dans les ténèbres, cherche la lumière. Qu'est-ce que tu dis? Un truc que mon père disait souvent. Ok. Elle voulait placer aussi son petit truc. Il va y avoir des échauffourées. Hein. On doit grimper là-haut. Ok, j'ai capté l'énigme. Ah, mais c'est vraiment un buffle. Cette femme est un buffle. T'as besoin d'aide? Non, c'est bon. Ah ouais, ils ont plein de ressources. Ça, c'est très cool. Hein. Bam, j'hésite même pas une seule seconde. Même pas une macro seconde. Prenez toutes les armes que vous trouverez. Des fusils, des arcs, n'importe quoi. Et apportez-les dans l'abri, vite!
c'est pas bon. Comment on peut passer? Le portail sera fermé. Par la Syrie. Le grand bâtiment à droite avec les torches. Ça mène vers l'extérieur? Oui, on peut couper par là. Parfait. Viens. Fermez le portail! Verrouillez le camp! J'avoue qu'il y a des petits moments où le ATH là. L'ATH me gêne beaucoup parfois. Dans ces semi-cinématiques. Pour le bien de ton peuple et de ta terre, tu le sauras. Quand le moment sera venu. Ah ouais. Putain, c'est vrai que c'est eux les mecs relous quoi. Par contre, si je me mets à tirer, là, ils sont beaucoup trop rapprochés les uns les autres. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc. J'ai deux carreaux. Quoi? Va à la Syrie! Non mais par contre là c'est abusé. J'ai vu un fusil à pompe là devant. C'est beaucoup trop abusé cette meuf, ce gars là. J'en ai abattu un. Ah oui, moi-même j'ai une flèche. Ouais, je redécouvre le jeu. À ta droite! Je t'attire. Ah mais je peux rien faire. Tu vois, parfois c'est dans ces séquences là que je suis un peu en mode ok bah qu'est-ce que je fais. Genre je suis vraiment en mode oui mais là j'aurais pu me débattre, j'aurais pu lui tirer dessus. Et en fait, vu que je suis en train de ramper ou quoi, elle a pas son arme à portée et ça c'est trop chiant. Genre j'aurais bien aimé pouvoir bah faire quelque chose. Voilà. Surtout qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir la jouer discrètement. Putain, mais c'est juste son marteau. Il a rien d'autre le man. Ok, va falloir bien ouvrir les yeux parce que les mecs sont marron sur marron. Ça crée pas énormément de contraste, c'est chaud. Juste là. Bah tu vois, genre typiquement, je l'ai pas vu. Par contre, si c'est la dernière. Putain, mais. Qu'est-ce que c'est relou les phases de combat. Pour le coup j'aime pas ça. Non pas que c'est dur ou quoi. Je trouve juste que, je sais pas. Pour moi là ils l'ont pas réussi dans celui-ci. Et je sais que c'est l'inverse de ce que vont penser plusieurs personnes. Genre pour eux, waouh, ça renouvelle l'univers du jeu vidéo. Mais bon, je suis pas trop fan de ces phases là pour le coup. Et il reste vraiment là-bas. Ah oui. Ils sont quand même bien résistants. Bon bah écoute Putain. Et en plus le pire c'est qu'une fois que t'es repéré,
Tu vois tous les passages où t'aurais pu te cacher. Et c'est vraiment le pire truc, quoi. Genre t'es en mode, ouais, bah là, typical, j'aurais pu me glisser là-dessous, faire ça comme ça. Alors. Évidemment, quand je le vise, il est plus là. Bah, le truc, c'est que maintenant... maintenant, niveau combat, on est obligé de le finir. Ah oui, bah oui, ils vont en arriver encore plus. On est chez eux, les gars. En vrai, j'ai envie de tenter un truc. Allez, fonce! Non mais y'a combien d'obstacles? Y'a un truc que j'ai envie de faire, c'est juste de tracer jusqu'à l'endroit, mais... Ah merde, ah bah oui, d'accord. Ok, c'est refait un petit peu de mun, mais pas trop non plus. Eux, ils vont rester là, comme des gamins. Ok, j'étais assez bon là-dessus. Une balle. Il est où précisément? Ok, il est là. Putain. Et évidemment, quand je tire, il est plus là. En fait, j'ai l'impression de rien voir avec ce viseur là à cause du gros cercle. Je suis en mode mais je ne vois rien. Ouais, un jour j'arrêterai de me plaindre. Bon là en vrai il me tire dans les pieds, c'est fini hein. Putain, quelle merde. Ça se tente. Ah ouais, mais là, ça se tente plus. Là, j'ai plus rien du tout. Si, limite, j'ai un lance-flamme, mais bon. À cette distance, si tu veux. Putain, mais c'est pas assez loin, ça. Ah non, elle en a rien à foutre. Ah, le pompe est bon, hein. Je dis pas que ça fait exactement ce que je voulais. Putain, mais te rends compte, on est, ça fait une demi-heure, on est sur cet endroit-là. Non, 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 non. Là, tu mens, par contre. J'étais caché bien avant. Hein. Vas-y, ça. C'est bon. Je crois que c'est fini. Oui. Est-ce que ça va? Oui, juste un peu essoufflé. Est trop dur ce jeu. Sans déconner, c'est même pas pour faire genre, mais c'est... Waouh! C'est dur, quoi. Les mecs sont chez eux, hein, en même temps. Nous, on arrive, on est en mode... en fait, on vient chercher, vous savez, le traître, là. Donc, évidemment que ça marche pas. Mais non. C'est pas du tout ça que j'ai fait. J'ai fait ça, puis ça. Oh, non mais... Ok, à niveau munitions, on n'est pas bon.
Niveau vie, ça va un peu mieux. Quoique. En vrai, ouais, les mecs sont tellement chauds. Bah, c'est des machines de guerre, quoi. Ils sont entraînés pour ça. Manquerait plus que les gars, ce soit juste des tagazous. Ok. Bon, bah, la Syrie. Oh! Y'a rien. Si, là, y'a des trucs. Mais c'est pas grand chose. Hein. C'est assez maigre comme. Comme récompense. On peut faire un sur un. On sait jamais. Tout d'un coup, c'est très très calme. Peut-être même un petit peu trop calme. Suis-moi, par là. T'es où? Ah là. Tu es là. Hop. Allez, on y va, nous. Hein. Ça ressemble un peu au décor près de Jackson quand c'était la période hivernale. Mais comme s'ils avaient mis juste un skin automne. Putain de merde. Puisse-t-elle nous protéger? Isaac, qu'est-ce que tu fous? Ah oui. Puis c'est en formation. Hein. T'imagines que Isaac est là-dedans, genre... j'y vais en premier. Vous inquiétez pas, les gars. C'est moi qui ai la grosse voix. Baisse-toi. C'est une aubaine. Ils sont sur notre territoire. Donnons-leur ce qu'ils méritent. Non, mais il meurt pas, en fait. Wolf, gagne-moi ! Mais quoi? Mais vous êtes vraiment les plus grands requins de France, hein. Sois calme. Puisse-t-elle... Vas-y, qu'est-ce que t'as à dire, toi? Fais pas ça. C'est toi qui as voulu me tuer, ma sœur. Moi, à la base... Ça va? Par où, maintenant? On va passer par le chalet, droit devant. À la base, c'était lui que je voulais, hein. Yara. Au camp des bûcherons. Où est-ce qu'ils emmenaient, les enfants? On a des abris un peu partout. Si jamais ça tourne mal, ils leur feront quitter l'île. Tant mieux. On savait que ça arriverait. Pas un truc à fouiller là-dedans? Dans cette petite tour de surveillance? Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Hein. Prends ce qu'il te faut et on s'en va. Okay. Oh oui! Ça aurait été dommage de passer à côté. On peut monter encore? Yes! Tu vois qu'on va passer 50 jours sur leur île là. Ouais. Tout va bien. Les mecs, leur rapport c'est tout va bien. Ne vous inquiétez pas. On n'a pas le temps en fait. Je t'explique. Ouais. On va prendre ça. Ça m'a bien servi. Mine de rien. Mais avant, je vais aller fouiller ici parce que... Oh là. C'est occulte ici. Comme d'habitude, mettez la pause. Hein. Sympa. On leur vole leur petite barre de chocolat là. Cinq fois qu'on ramasse le même truc. Et là, on n'a rien à dire. S'il vous plaît, protégez-le. Ouais. Je suis assez perplexe et assez silencieux dernièrement dans ces épisodes-là, mais en même temps, je vais pas vous la faire comme à chaque fois, mais vu que je découvre. Je suis en mode j'écoute au cas où s'il se passe des trucs. Si elle donne des indices. Une note là. Ah, c'est à la route, ça, hein, chez eux. Cette nuit, elle a fait le mur. Ok. Chaque fois, c'est les rapports.
Ça a l'air intéressant. Hein. Rien d'avoir tout un background que je ne lirai pas. J'ai pas la patience en fait. J'aimerais bien vraiment prendre le temps de tout lire et tout, mais je suis en mode. Les gars, il y a 80 notes dans le jeu là, minimum. Si on commence à se faire une session de lecture, on n'est pas sorti. Hein. Surtout que je fais des 30 minutes maintenant, du coup. On va pas perdre notre temps là-dessus. Stabilité c'est bon, stabilité c'est bon, stabilité c'est bon. Ah, ça! Quelle est l'arme que j'utilise le plus en vrai? Ça doit être celle-ci. Ah, j'ai une lunette là-dessus. Tu vois, je savais pas. J'avais jamais fait gaffe en fait, vu que je l'utilise pas. Oh la lourdeur du truc. Vitesse de rechargement. Non, stabilité. C'est vraiment cool, ils avaient pile poil les bons outils. Les dégâts du pompe, ça peut être bien. Ça peut être très très cool. Parce que rechargement, de toute façon, il n'y a que deux cartouches à la fois. Donc bon... Sympa ce petit éclairage à la flamme. Ok, alors attends, c'est ça que je veux voir du coup. Comment on zoome déjà? Ah, très très bien! Très très bien, et regardez, hop! Dès que ça va sur Yara, on peut pas. Eh ben... de l'autre côté de ces champs. Parfait. Sauf que nous, on va s'arrêter ici pour ce 36e épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous en activant la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je sens qu'on approche d'un dénouement final. Quoique, il doit nous rester au moins, ouais, peut-être 5 heures à peu près, j'imagine. Donc, moi, je vous dis à très très vite. Ciao !